Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du Balado Presto. Aujourd'hui, on va parler de quoi faire pendant ses vacances de Noël. Et je fais une petite parenthèse sur quelque chose que les directeurs et les directrices font. Donc, pour commencer, des activités qu'on peut faire pendant le temps de Noël. Une première, c'est construire une maison en pain d'épices. C'est vraiment une super bonne idée pour vrai. Là. Après ça, tu peux la manger. C'est bon. Vous pouvez aussi faire une forêt avec des choses recyclées comme du rouleau de papier toilette, des pots de beurre de peanut vide, même autre chose. Si vous êtes du genre à faire des activités plus dehors, vous pouvez aller pêcher sur la glace. Moi, j'aime beaucoup pêcher, plus l'été, j'ai jamais essayé sur la glace, mais je parie que c'est très le fun. Il y a des endroits où on paye, puis c'est sûr que vous attrapez du poisson là. Vous pouvez aussi aller regarder. Je viens de dire que ça règle. Excuse-moi, j'avais oublié qu'on avait perdu. Vous pouvez aussi aller regarder les maisons dehors, les maisons décorées. C'est une petite activité. Moi, je faisais ça avec mes parents. Si rien de tout ça vous plaît, vous pouvez faire un fort, tu sais, avec des enfants, des plus jeunes, tu sais, frères et sœurs. C'est vraiment super le fun. Super le fun. Si vous êtes du type à aimer l'action, vous pouvez faire une bataille de boules de neige. Une bataille de boules de neige, ça en se fait mal non plus, là. Il faut pas faire des batailles de boules de glace. Vous pouvez faire des biscuits avec votre mamie. En parlant de mamie, quelle mamie fait le plus peur? C'est ma mitraillette! On trouve ça drôle. J'ai entendu parler que les membres de la direction faisaient trier leur place de stationnement. Je trouve ça super cool parce que ça rassemble l'équipe, tu sais, c'est fun. Dans le temps des fêtes, c'est important de donner au suivant. Alors faites une bonne action, faites une BA. BA comme moi!